Oh là là, tu regardes encore des youtubeurs, mais c'est pour les gamins. En plus, tout le monde peut faire ce qu'ils font. Mais t'arrêtes de me gâcher mon plaisir. Moi, ils me font rire. Et ils gagnent beaucoup d'argent. Attends, c'est quoi beaucoup d'argent? Les youtubeurs à succès ont un business model basé sur la rémunération au clic, sans compter les contrats de sponsoring, les BD, les dessins animés tirés des BD. Ils ont créé des empires financiers. Viens par là, toi. Donne tout, Hugo. Action! Salut, mes chéris. Aujourd'hui, je vais vous parler de la spontanéité. Mais qu'est-ce que c'est nul? Enlève-moi ce balai dans le cul! Salut, les petits loulous! Aujourd'hui, une vidéo sur la spontanéité. Non, mais c'est des mots 5 syllabes aussi! C'est de pire en pire. Recommence! Mais tu mets la pression, j'ai envie de chialer. Tout le monde peut faire ce qu'ils font, n'est-ce pas, Hugo? Kikou, les followers! Cinquième anecdote sur les humains. Leur intelligence est comparable à celui d'un phasme face à un processeur. LOL. Voilà, c'était la preuve que les humains sont inférieurs aux robots. Ha, ha. Allez, abonnez-vous à ma chaîne Roger et ses humains. Activez la cloche. Roger, c'est pas en insultant les humains que tu vas gagner des abonnés. Pourtant, j'en ai déjà deux. C'est qui? La cafetière et la paille à raclette? Non, c'est vous. Bah, on n'est pas abonnés. Explosion dans 3, 2, 1. Et la cloche? Oui, la cloche! Regarde, j'ai cliqué la cloche! Ouh, j'ai cliqué la cloche! Roger. Eh ben, dis donc, 270 vues. C'est qui ce Robert le Bougre 77 qui m'insulte? Vidéo inutile et prétentieuse. J'ai perdu mon temps, en plus le robot est claqué au sol. Oh, tu t'en fous, Roger, c'est des haters. Haters? Oui, des gens qui profitent d'être anonymes sur les réseaux sociaux pour déverser leur haine de tout. Mais personne n'est anonyme sur Internet. Ah ben si! Ah ben non, y en a même un qui habite à côté, dis donc. Roger? J'enlève juste un petit commentaire avant qu'il découvre que je suis mégaloutre 62. Quoi, ça va, j'ai juste mis un petit à chier pour me défouler. Abonnez-vous à ma chaîne Roger et ses humains. Activez la cloche. Hé hey Roger, tu veux pas jouer avec moi? Non, je n'aime pas les jeux vidéo. C'est trop facile. Ah, tu dis ça parce que t'as jamais joué contre moi. Player 1 loses. Merde! Player 1 loses the game. Ah mais putain! Player 1 loses the game. Hey, moi je te... Finalement, j'apprécie le jeu vidéo. Ouais. Parce que tu gagnes. Non, parce que tu perds. Ou tu sais ce qui te manque, toi? De l'empathie, bordel! Congratulations, player 2. You are number one rankings in the world. Ah, ta gueule! Roger. Player 1 wins. Oh, j'ai gagné! Player 1 wins the game. Ouais, j'ai encore gagné! Player 1 wins the game. Oh, mais en fait, je suis trop forte! Je kiffe trop jouer avec toi, Roger. Hey, pourquoi tu la laisses gagner, elle? Dis donc, pourquoi tu dis qu'il me laisse gagner? Tout de suite, parce que je suis une fille, je peux pas gagner aux jeux vidéo. Non, non, je te laisse bien gagner. Roger? Mais c'est hyper condescendant! C'est pas cool! C'est juste pour faire de la peine à Hugo. Ah, ça c'est cool. Vous savez ce qui vous manque à tous les deux? Florence, c'est bon! J'ai trouvé un jeu que Roger termine pas en 3 secondes! Ah oui, lequel? Le simulateur de drague! Que répondez-vous à Stéphanie? Réponse A, B ou C? Réponse B, lui jeter la nourriture au visage. Mauvaise réponse. C'est le mode expert. Et là, c'est le mode puceau. Et bim, et voilà. Et ben, il est mauvais, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je l'ai pété en deux, ce jeu. Ah ouais. Réponse D, élimination du problème. Mon ordi. Un simulateur de drague, sérieux. Fallait bien que je m'entraîne. Je comprends pas, c'était bien le port USB, alors pourquoi ça marche pas? Merde! J'arrive pas à installer mon matériel pour Twitch! Twitch? Mais oui, c'est la plateforme pour faire du streaming. Il suffit de se filmer en train de jouer à des jeux vidéo et paf, on devient une star comme Gutaga. Si t'arrives à installer ta caméra. Oh Roger, s'il te plaît, aide-moi! Il faut que les gens me voient jouer et puissent interagir avec moi. Voilà, les gens peuvent te voir jouer. Rien compris à Twitch! Regarde, de l'interaction. Hé, j'appelle la police! Police! Oui bah c'est... Oh merde! Voilà, c'est relié. Et là? Oui, c'est bon, je suis en live! Et maintenant? Et maintenant, je vais jouer à des jeux, et les gens, ils vont venir me regarder en masse, et puis je vais intéresser les éditeurs de jeux vidéo, et je vais signer des chèques! Mais pour l'instant, il n'y a personne. Ouais, mais faut être un peu patient. Waouh! Un viewer! Bonjour, petit viewer Scarikitty 12. Trouve-toi un vrai métier qui me dit, faut rester poli, Scarikitty! Hugo, faut descendre les poubelles. Mais! Roger, t'aurais pas donné le lien à Florence? Il te fallait bien un premier viewer? Oui, mais non, mais pas Florence! Oh, un deuxième viewer, Véronique 92300, qui me dit « Eh ben, c'est avec cet énergumène que vit ma fille, c'est une honte. » Putain, Roger! Arrête de partager mon touch avec ma belle famille! Roger.
Oh, mais quel échec! Personne vient sur mon touche! J'ai peut-être une solution pour augmenter ton audience. Dis-moi, c'est quoi? Oh, qu'est-ce que tu fous, Roger? Oh, putain! C'est génial! Mais de quoi? Où y a du monde qui réplique? Reste de dos, là, enlève-toi, t'es bien cadré. Cette idée de la tête où je te fais manger ta caméra! Oui, reste de dos, t'es bien cadré, là. Putain de merde, tiens! La gifle a augmenté l'audience, mais là, le compteur est retombé à zéro. Ah, et si c'est moi qui m'étais un décolleté? Je peux te mettre une gifle, si tu veux. Ah, une petite, juste pour voir. Waouh! 58 viewers! Colle-moi une, colle-moi une! On a 700 viewers! Vas-y, donne tout ce que t'as, Rosé! Hugo, pourquoi passes-tu autant de temps sur Internet? Mais parce que grâce à Internet, t'as accès à une mine de connaissances incroyable! Avant, tu voulais savoir un truc, fallait aller à la bibliothèque. C'était relou, quoi. Maintenant, tu tapes juste sur la barre de recherche et t'as ta réponse. Je regarde ton historique. Scan Naruto. Ouvrir une noix avec son front. Sexy big boobs lesbians. Eh ben, on en apprend tous les jours. Oui, mais là, il est sur l'historique de quand je fais des pauses. Comment soigner discrètement une bite qui gratte? Hein? Quoi? Alors, celle-là, elle m'a bien sauvé la vie, quand même. T'as sauvé la bite? Hugo! Regarde, c'est une reprise de Poker Face avec des jappements de caniche. Oh, je le partage direct. Je déteste ça, les réseaux sociaux. C'est reparti, tu vas nous sortir que oui, les réseaux sociaux, ça sert à nous rendre esclaves de nos propres égos. Et qu'on passe des heures dessus à se péter les cervicales. La lumière bleue et que ça nous coupe des vraies interactions sociales. Et gna gna gna, et tout ce temps perdu au lieu de créer, de lire des livres et de faire l'amour. Ça, c'est pas faux. Quand j'essaye de m'inscrire, il me demande de cocher une case pour être sûr que je ne suis pas un robot. Eh oui, effectivement, ouais, c'est raciste. Non, c'est spéciste. C'est robophobe. Ah, oui, ouais. Voilà. Roger. C'est bon, j'ai compris l'intérêt d'Internet. Ça permet de socialiser. Toi, tu socialises? Oui, j'ai communiqué avec Sexy Kitty 75. C'est une fille chaude de ma région. Ouais, d'accord, ouais, super, t'as juste discuté avec un spam. C'est quoi, un spam? Bah, c'est une arnaque, quoi. C'est une pute qui t'incite à donner de l'argent. Ouais, en t'attirant avec du nichon, mais en fait, c'est pas une vraie personne. Oh, comment reconnaître si une personne est vraie ou non sur Internet? Bah, en général, c'est une personne qui te demande pas ta carte bleue juste pour discuter avec toi. Oh, adieu, Sexy Kitty. Tenez, votre carte bleue. T'inquiète pas, une Sexy Kitty de perdue. Oh, merci Roger, grâce à toi je suis équipé là. Allez à moi le corps de rêve. Si tu veux des gros pectoraux, le mieux ce serait de faire du sport, non? Non, c'est trop fatigant. Allez, grille-moi les tétés. Il est mort, c'est ça? Oui, je viens effectivement de le tuer. Dommage, je l'aimais bien. Oh, ok, c'est hyper dangereux, je les enlève tout de suite. Et tu fais... Arrête, c'est pas marrant ça. Eh, trop bien, tu peux lui faire faire ce que tu veux. Je peux essayer. Arrêtez, déconnez pas les gars, c'est pas super sympa. Pourquoi c'est obligé d'être aussi douloureux? On peut réduire les charges? Oui. Est-ce qu'on a envie de le faire? Non. Roger. Wow, c'est quoi ça? C'est ton mec. Alors c'est qui le gaillard? J'ai mélangé un concentré de protéines et de molécules de dopage utilisées en milieu équestre. Ça augmente les capacités musculaires de 80%. Et ouais mon pote. Cependant, ça réduit l'espérance de vie de 70%. Quoi? Du coup, j'ai jeté l'unique flacon dans l'évier. Ouais. Mais après, je me suis souvenu que votre superficialité passait avant votre santé. J'en ai donc refait 12 litres. Ah, tu nous connais bien, ça c'est mon Roro. Bon, j'espère que ça va te plaire. Je te préviens, c'était une opération délicate. Et tu as signé une décharge, je te le rappelle. Tu peux ouvrir les yeux. Tada. Hein? Ah! Mais c'est quoi cette merde? J'ai fait comme tu m'as dit. Tu cicatrises très très bien. Mais je voulais le corps musclé, pas la tronche d'Hugo! Salut Roger, salut chérie. Oh, je suis encore dans un rêve, moi. Ouais, je peux peut-être t'en faire voler. Allez, c'est pas vrai, mais c'est une catastrophe! Me dis pas que tu m'as mis aussi le... Si, tu me l'as mis! Mais c'est pas possible! Hey, c'est rigolo! Oh, trop bien, je vais pouvoir pisser debout! Attends, je vais essayer!